Bonjour, je m'appelle Christelle Etregaray, je suis chargée de recherche dans l'équipe MOOC du Centre INRIA de l'Université de Bordeaux. Quand j'étais petite, au départ, je voulais faire libraire. Et après, ça s'est perdu. Et quand j'étais au lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. En terminale, j'ai pris la spécialité bio. Et je voulais continuer en biologie de la santé. Et puis un peu au dernier moment, je me suis rendu compte que les maths allaient me manquer. Et donc, j'ai choisi plutôt de partir en fac de maths à Bordeaux. Alors, j'ai fait une licence de maths théorique. Et après, j'ai continué en master de mathématiques approfondies, au cours duquel j'ai fait un mémoire de fin d'études sur des aspects de géométrie. Et à la suite de ça, je voulais changer d'orientation. Donc, je ne voulais plus poursuivre dans cette direction. Et c'est là que j'ai découvert un Master 2 en mathématiques pour les sciences du vivant et je me suis réorientée par là. Alors au cours de mon Master, j'ai fait un stage où j'ai travaillé sur la modélisation du déplacement des cellules et j'ai continué ce travail-là lors de ma thèse. Après ma thèse, je suis allée un an à Toulouse pour faire un post-doctorat sur d'autres types d'équations et ensuite je suis venue à Bordeaux dans l'équipe MOOC travailler sur l'analyse d'images médicales. Concrètement, je discute avec des biologistes et des médecins et à partir de leurs questions, je vais essayer de mobiliser des outils mathématiques pour apporter un nouveau regard sur leurs problématiques.